Revenez, revenez, connectez-vous. Revenez. Je suis là. Revenez. Vous tous là, tout le monde qui fait partie commenter chez la rose. J'ai tout vu. J'ai tout vu vos écrits là-bas. Mais ce que j'aime pas, c'est que vous ne m'avez pas insulté là-bas. Allez m'insulter là-bas. Allez m'insulter que ça là, la sangra, la salope, la chienne, là. Allez m'insulter là-bas parce que vous ne m'avez pas insulté. Donc, allez m'insulter là-bas. Donc, je ne suis pas d'accord. Allez m'insulter. Allez. Les gens qui veulent participer au direct, envoyez vos demandes. Allez m'appeler ma soeur Perle de Luxe. Dans la rose africaine, toi-même, tu peux envoyer ta demande ici. Appelez les autres. Bon, appelez tout le monde. Rose africaine, toi-même, viens t'asseoir là, ma. Je vais te dire tes vérités. Viens t'asseoir ici, viens prendre la parole. Ce n'est pas tous les messages que tu m'as déjà laissés là. Parce que tu veux faire plaisir aux abeilles. Ma, moi, j'ai dit la vérité. Tu n'es pas avec la reine des abeilles par amour. Parce que c'est moi que tu aimes. Tu aimes compresseur, oui. Mais la personne que tu aimes, c'est moi. C'est moi que tu aimes. Tu avais la reine des abeilles par rapport aux étoiles. Toi-même, tu as dit ça en direct. Que non, les couacs ne savent pas soutenir. Donc, moi, je te comprends. Et au jour à partir d'aujourd'hui, je ne t'en veux plus. J'ai compris que la force des étoiles a fait en sorte que tu m'as déposé en cours de route. À cause des étoiles. Moi aussi, je te dis ici, hoha, que moi aussi, je soutiens Tata Loulo. Donc, toi aussi, tu dois aussi accepter mon choix. Moi, j'ai accepté ton choix, qui est que tu es avec la reine des abeilles. Moi aussi, accepte aussi mon choix. Je n'irai plus chez Bertrand Chic-Simon. Je n'irai plus chez mon mari du Camer. Non, ça là, c'est hors de question. Je n'irai plus là-bas. Parce que ce sont tes gens. Mais je n'ai pas connu du camé par rapport à toi. Mais tu m'as interdit. Tu m'as interdit d'aller chez du camé. Tu m'as interdit. Alors que du camé, moi, je connais du camé. Je ne connais pas du camé derrière toi. Mais je peux comprendre que comme du camé est Sawa, c'est normal. C'est ton frère. Mais moi, c'est mon mari. Mais le mariage est fini. La famille ne finit pas. C'est pourquoi je décide, moi, de fermer ma bouche et de rester tranquille. Donc, appelez Perle de Luxe. Ma soeur Perle de Luxe, je t'envoie la demande. Il faut que tu viennes écrire. Ma soeur Perle de Luxe, attends, je t'envoie la demande. Je vais t'envoyer la demande ici. Perle de Luxe. Pourquoi je ne vois pas Perle de Luxe ici là? Appelez Perle de Luxe. Je ne la vois pas ici. J'aurais bien voulu. Amoto, envoie ta demande. Et Perle de Luxe, envoie sa demande. Comme ça, on va conclure le direct. Comme ça, on va conclure le direct. Et tout le monde sera content. Donc, ma rose africaine, moi je te comprends. Tu cherches tes étoiles, tu cherches tes clients par rapport à ton commerce
Et c'est tout à fait normal. Donc, cherche tes clients, cherche tes étoiles. Moi aussi, je suis chez Tata Lolo. Moi, je ne cherche rien là-bas. Je soutiens Tata Lolo parce que je trouve que les gens sont en train d'abuser d'elle. C'est pourquoi j'ai décidé de soutenir Tata Lolo. Je ne t'ai pas dit que je suis avec les lolomanias. Mais toi, tu es parti. Tu as été avec les abeilles, avec les TKC. Parce que la force, surtout les abeilles, parce que les TKC encore... Non, les abeilles. Toi, tu as été avec les abeilles par rapport aux étoiles. Toi, tu as été avec les abeilles parce qu'ils ont la force de frappe de l'argent. Par contre, nous, on n'a rien. Nous sommes des pauvrades. Eh, ma belle-sœur Julienne Zombie. Eh, maman, j'espère que Ducamé va encore m'épouser. J'espère. Parce que quand Rose est africaine, là, elle et moi, là, c'est Djakala comme ça, là. J'espère que vous allez toujours venir me doter. J'espère que je vais toujours venir à Douala. Parce que là où moi, je suis là, je suis préparée. Mes valises sont faites. J'arrive à Douala. Je dois m'installer là-bas. Donc, si les Douala veulent me chasser, vous me chassez. Vous dites que comme la fille Yaoundéla, elle n'ancre pas ici, là. Je vais comprendre, non. Où est le problème? Mais j'espère que Ducamé ne va pas m'abandonner. Parce que Rose africaine a décidé que je ne dois plus aller parler de Tata Lolo chez Ducamé. Elle m'interdit d'aller chez mon mari. Elle m'interdit d'aller chez mon mari. Vous avez déjà vu ça où? Donc, le reste des doigts là, j'espère que vous allez m'accueillir. Moi, j'espère. Coucou Sandra, coucou, tu es ticatone là, tu es trop belle. Hey, merci ma belle sœur. C'est le mariage, non? Tu sais que toi, tu as trouvé le mariage, Sandra. L'amour en toujours. Sandra, c'est pas quelqu'un qui paye ta connexion. Tu soutiens qui tu veux et à l'heure que tu veux. D'accord? Mm-hmm. C'est comme ça. Voilà. Non, on t'aime, le moment t'aime. Tu comprends, non? Oui, voilà. Mais. Eh, hey, merci. Voilà. Est-ce que les doigts là même aussi? Les doigts là, donne du wa. Eh, la donne du wa, moto. Eh, tu t'amènes, tu es où, mon mari? La sommelle wa, oui, Kenya, boam. Au Sengino. La sommelle wa, dit ton du wa. On ne sera sous. Au Sengino. Eh? Ton du wa. Je viens à toi là. Non, je te laisse parce que moi, je travaille ce soir. Je dormais là. J'ai raté ton direct tout à l'heure. Là. On m'a bipé, maman. Hey, les gens là sont. J'ai Laetitia Alice, elle ne me laisse pas. Elle me bipe partout. Ya, Laetitia, laisse-moi dormir. T'as le Congo, ça, Laetitia. Laisse beaucoup. Le Congo, ça, ne laisse personne. Que ton direct là, depuis, on m'a déjà dit que ça n'a pas fait. J'ai vu le poste de Sandra. Donc, mon fils, notre vie de Berlin. Et notre fils, il faut qu'on le soutienne toujours. C'est un enfant, non, il a 21 ans. Moi, j'ai passé un message à notre enfant en disant ceci. Ouais. Si quelqu'un a un bon réseau, oui. Ce n'est pas le beau-là. S'il y a une personne sur la toile qui a un bon réseau, ouais. Où tu donnes d'abord une partie d'argent, ouais. Pour commencer le réseau, ouais. Et après, dès que le visa sort, tu donnes l'autre partie. Moi, je peux aider Toby. Par contre, Nadège a dit ceci. Oui. Parce que moi, je ne peux plus héberger. Moi, les Camerounais, moi, je ne peux plus héberger les Camerounais chez moi. Parce que j'ai déjà vu de tous les couleurs. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour... Oui, oh. C'est pourquoi Nadège... On a fait le maximum pour ce joyeux anniversaire. Et ses projets pour le voyage, août, tout, les Beaux-Arts, tout ça. Moi, j'ai dit la même chose. Hein. Moi, je dans ma famille, il n'y a personne qui a Beaux-Arts dans ma vie. Et moi, je sais tout comme moi, j'ai aux enfants. Hein. Et je travaille avec les enfants. Et je parle avec les enfants, la DAS, il y a les beaux-arts parfois qui est arrivé là-bas, qui me dit l'histoire de la Méditerranée. Ça fait peur, quoi, quand tu entends ça. Donc, c'est pas un truc que j'encourage. Donc, après, la jeunesse aujourd'hui, je comprends, hein, tout le monde veut partir du Cameroun, chacun son choix. Donc, si l'enfant veut partir, tu peux pas l'arrêter. D'autres enfants, ils partent, mais ils disent même pas au revoir à leur famille. Hein. Tu entends seulement que l'enfant, il est au Maroc, qu'il est en Tunisie. Et c'est ça, quoi, tu peux rien faire, quoi, c'est ça, tu vois? Donc, moi, j'ai passé le message et Nadège a dit qu'elle, elle peut accueillir Toby. Tu comprends, non? Donc, si on trouve un réseau, elle va prendre Toby chez elle. Okay. Donc, ça, là, c'est déjà, non, si, au moins, quand il va arriver. Même pour le financement, il n'y a pas de problème. Hein. Le Mania, on est là, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Voilà.
Donc, quand il va arriver, il va aller chez Tatana. Pour ça, il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, je vais te laisser alors. Moi, je continue à dans ma chose. Tu OK. vois, non. Tu es là, là, ton méta. Moi, c'est toi qui paye ta connexion. Fais ce que tu veux. Merci, merci, ma belle-sœur. Je t'envoie de gros Merci. bisous pour te laisser. Passe un bon week-end. Bisous à toi. Om le Je maom. vais répondre à Oshika. Om Merci. le maom. Oh, Lema. Et... Je vais répondre à Oshika. Tu me demandes si j'ai fini d'aimer et d'aider les membres de ma famille pour aller aider le petit. Je vais te dire quelque chose. Dans la vie, ce n'est pas que ta famille. Parce que ta famille peut te décevoir. Mais l'ami peut être plus reconnaissant ta famille. Tu comprends? Donc, quand tu vois là, il ne faut pas toujours aider que la famille. Non. L'ami peut être plus reconnaissant que ta famille. Tu as compris? Non. Voilà. Ce n'est pas toujours la famille que la personne renvoie la demande. Ce n'est pas toujours aider la famille. Non. Et je te rappelle que moi, j'ai amené toute ma famille. Je dis toute. Ici. Voilà. Jusqu'aux oncles, jusqu'aux cousines, j'ai amené ici. Tu as compris? Mais ce n'est pas seulement la famille, parce que la famille est ingrate. La famille n'est pas reconnaissante. Mais les amis que moi j'ai aidés, jusqu'à aujourd'hui, ces amis sont plus reconnaissants que ma famille. Voilà. Donc ce n'est pas que la famille. On ne doit pas seulement aider la famille. On ne doit pas seulement aider la famille. Même s'il vient me laver, n'est-ce pas, le petit là m'a déjà lavé. Quelle insulte qu'on va encore m'insulter, que moi, sangrant, ne m'a pas encore insulté. Même s'il vient me laver, quand tu aides quelqu'un, il ne faut pas s'attendre à quelque chose. J'arrive. Donc, ce n'est pas toujours la famille. Tu as compris? Donc, il ne faut pas seulement rester là, dire que tu vas aider que ta famille. Tu vas aider que ta famille. Non. Mais moi, je n'aide pas les gens dans le Bosa. Non. Mais pour toi, là, ça ne prend pas. Ta demande là ne prend pas. Soit tu sors, tu éteins et tu reviens. Ce n'est pas que la famille d'aider la famille. Bonsoir Sandra. Hé, la fille à la peau de lune. C'est comment ma soeur? Ça va et toi? Ça va, oh Sandra, Sandra. La Sandra. Oui, tu es la bienvenue. Je vais vous faire comprendre que voici une Bamileke qui intervient dans mon direct, non? Ma parle en Bamileke parce qu'il y a Tiens, quelqu'un qui laisse-moi avec croit. tes histoires de parler en Bamileke là. S'il Toi-même, te plaît, parce toi-même. que attends, m'appelle de la fille à la peau de lune. S'il te plaît, attends. Il y a quelqu'un qui demande s'il peut rester dans mon direct comme je suis tribaliste. C'est pourquoi je veux que tu puisses On n'est parler. pas tribaliste, chacun est comme il est et il faut savoir être tolérant. On est tous des Camerounais, on ne peut pas dire que je viens toujours dans, je la connais depuis. Si chacun sait, pourquoi il faut respecter les points de vue des autres?
respecter les points de vue des autres. C'est pas parce qu'elle discute qu'elle est quand qu'elle déteste les Bami. Vous croyez qu'au Cameroun, là, qu'elle peut être tribaliste? Ça n'existe pas. On ne peut même pas. Toutes nos familles sont mélangées. Il n'y a personne, même toi-même, là, Sandra, tu ne vas pas me dire que dans ta famille, là, y a, tu n'as pas un neveu qui est Bami. Attends, je t'explique la fille à la peau de lune. Ma petite sœur, même père, même mère, son mari, mes nièces, elle a trois enfants avec un gars Bamileke. Mes nièces sont Bamileke. Voilà. Et mon beau-frère, tous les ans, chaque fin d'année, c'est ici chez moi qu'on mange. Donc, il faut mettre dans la tête que mon beau-frère sait que je fais les directs ici là. Mon beau frère, il est aussi avec Roberto Ngangoum. Ça ne fait pas de nous des ennemis. Mon beau frère est avec Roberto, non? Vous croyez que la vie de Facebook, là, c'est la vie? Quand vous partez au Cameroun, là, tu es déjà entré où on a dit que non, n'entre pas ici parce que tu es Bami. Ça n'existe pas. C'est les gens qui ont fait ça juste pour séparer. Mais je ne fais pas comme ça. Ma cousine est Boulou. L'autre est Bassa. Mes enfants ici sont des gens du littoral. Vous croyez qu'on peut être tribaliste au Cameroun? C'est des histoires, c'est des jeux. Il faut arrêter d'entrer dans Facebook avec vos organes, vos têtes, vos pieds, mettre le cœur comme si c'était quoi? C'est quoi? Ce que vous voyez sur Facebook, c'est du folklore. C'est un divertissement. Moi, je déteste les gens qui mettent trop le cœur sur les trucs. Oh, on m'a fait comme ça, oh. Putain, arrêtez. Toi que Sandra, elle insulte les Bami. Moi aussi, j'insulte les Ewondo. Après, on s'entend, on s'en fout. C'est quoi? N'est-ce pas? Après, on va boire la bière. Je suis née à Yaoundé, non? Je suis des Mombo. Est-ce qu'elle peut voir voilà. Le sang après, de on va boire la bière ensemble. Je ne peux pas. Je ne peux pas traverser. J'ai vu mes soeurs et Wondo, elles sont là et mon bon a grandi ensemble. Quand on s'insultait que oh, tu es Bamileke, oh, toi tu es quoi. Mais quand on fait les mariages chez nous, c'est le mec qui vient qui nous dote. Il y a quoi? Arrêtez les vos fausses histoires de tribalistes. Sandra est tribaliste. Sandra, c'est qu'elle fait là, c'est Facebook. C'est des conneries. Je suis arrivée à Montpellier, c'est une fille, j'étais chez une fille Wondo. On m'a mis dehors, c'est une fille Wondo qui elle m'a donné tout, elle m'a gardé chez elle quand ça chauffait même encore entre les, tu sais en 2018 là, quand il y avait encore l'histoire de Kamto, quand elle me prend dans sa voiture, j'ai dit que moi je supporte Kamto, elle dit moi je supporte Paul Biya, on s'insulte bien, après on achète la nourriture, on mange, on rigole, on boit la bière, c'est quoi même, qui est ça, ok, moi je supporte Kamto, je m'en fous, si elle veut elle supporte Paul Biya, d'abord Paul Biya c'est Kamto même, si vous voulez même pas. Voilà. Il n'y a pas de problème. Tu peux venir dans mon direct. Ça, les histoires là, dis donc. Ça n'existe pas au Cameroun. Vous croyez qu'il ne veut pas parler, je vais pas manger le coin parce qu'on a dit que Sandra insulte les Bami. Il n'y en a qui insulte les Bami. Alors, moi, j'insulte les Ewondo bien même. Voilà. C'est maman, ça qui est ça. Lave les écans ici, là. Lave-les. Les écans sont mes frères, mais moi, je les insulte. Même à l'école, on s'insultait. Mais on bagarrait même, non. Mais mes neveux ici sont les. Il y a les Boulous. Il y a les Bassa dans ma maison ici. Il y a les Boulous dans ma maison. Je vais faire comment? Comment je vais faire? Ma fille, souvent, elle dit qu'elle a même le kaba de Sawa ici. Elle dit que je suis d'une fille Sawa. Moi, c'est moi, ça me gêne le Mpondo. Elle a même fait le Mpondo. Elle a même comment les gens, leurs trucs qu'ils font dans l'eau là. Ça fait quoi? Vous croyez même que vous êtes capable de séparer le Cameroun aujourd'hui. C'est impossible. Arrêtez ça. C'est impossible. Quand on se met sur la politique, là, ne doit pas nous diviser. Bientôt là même, je vais commencer à même inviter les Ewondos. La vie à la peau de lune, qu'est-ce que tu en penses de notre problème, la rose africaine et moi? Tu en penses quoi? Tu veux que je te dise sincèrement? Oui. Quand cette histoire a commencé, j'ai supporté la rose, mais la rose a l'état d'esprit d'une gamine. Elle réagit beaucoup comme une gamine. Elle est très émotionnelle, très émotive. C'est pas bon, la vie. Ça m'étonne qu'une femme qui a déjà les enfants, qui peut supporter certaines situations, elle m'a marqué, qu'elle prenne encore les choses au premier degré comme ça. Tu vois, non? Mm-hmm. Moi, je sais qu'elle a eu mal. Moi-même, je suis sortie. Moi-même, j'ai dit que je la supporte. Je suis sortie la supporter parce que j'avais trouvé. Je ne suis pas Bami. J'ai dit que ce n'était pas bien. Mais moi, à la place de Rose, moi, je n'aurais pas réagi comme ça. Moi, j'aurais laissé que cette histoire passe comme c'est une histoire de commerce. J'attends et puis je dis
mes frères et soeurs, voilà ça. Je mets même au frigidaire sa glace avant qu'on mange, mais c'est comme ça. Mais parle, tu te laisses dessus. Si tu veux partir, tu sens que tu es parti de l'autre côté. On t'a bien accueilli. Pas doucement, ma chérie. Maintenant, l'acharnement trop sur les gens là. Là-bas aussi, on va te décevoir bientôt. Hein. Je connais Meta. Hein. Eh oui, on l'a même bien dessus. Une fois, est-ce que tu fais ça plusieurs fois même? Quand tu dis que tu tiens une team, si c'est bon, on reste dedans. C'est mauvais, on reste dedans. Il faut rester dedans. C'est comme ça. Moi, je n'aime pas l'acharnement. Je suis avec Lolo parce que ce qu'elle subit en ce moment, c'est injuste. Je n'aime pas l'injustice. C'est tout. Mais je n'ai jamais supporté ce qu'on a fait à la Rose. Je lui ai dit. Et il y a un monsieur qui est monté sur les laves. Alors que je venais là, il m'a insulté. Rose n'a pas dit qu'il y a. C'est toi-même qui as fait divertissement. Le message, il ne te mêle pas. Il dit non, je ne me mêle pas. Tu crois que je vais encore monter un jour pour dire qu'elle la supporte en tant que qui? Et c'est qu'elle, Rose, elle fait trop les choses des enfants. Quand une adulte entend un problème comme ça, elle se calme. Elle prend son temps. Elle fait les choses comme une adulte. En ce moment, elle se met dans les insultes des petits-enfants. Oh, tu taquines les gens. Tu taquines les gens. Comment? Quand on est grand, on est grand. Tu pars. Tu sais très bien qui est à ton intérêt. Je sais pourquoi tu pars. Tu y as ton intérêt là-bas. Tais-toi. Va doucement. Toi-même, tu sais pourquoi la Rose est partie. La Rose est partie parce qu'elle a vu qu'on la flatte de l'autre côté. Là-bas, elle a vu peut-être qu'il y a eu des abonnements. Allô? On la flatte pour les machins. Après, ça va se gâter aussi là-bas. Oh. Ok, allô? On peut donner la parole à notre soeur qui est à côté là. Allô? Allô, bonjour Maos. Bonjour Sandra. Bonjour. Moi, je suis béninoise hein, et je suis tout le monde. Vous êtes camerounais, je suis tout le monde. Je suis Sandra, je suis la Rose. Vous comprenez? Oui. Mais j'appelle plus la Rose africaine du 237. On s'appelle même. Oui. Je lui donne du courage, tu vois, non. Si elle a des problèmes, je l'appelle pour l'encourager. Mais ce qu'elle fait là, moi, je ne comprends pas du tout. Je l'ai même appelé. Moi, je suis béninois, je suis derrière personne. Je ne vous connais pas. Mais ce qu'elle fait là, elle n'a même pas le droit de faire ça. Parce que quand son problème de crotti-crotta est sorti, tout le monde l'a soutenu. Et Sandra Rose, là, tu l'as tout le temps appelé de laisser. Parce que si ça ne laisse pas, tout le monde va prendre ça. Elle n'aura plus les clients. Merci. Donc, les gens de l'autre camp aussi, ils ont rabaissé la garde, quoi. Ils ont rabaissé. Ils ont. C'est Rêve seul qui a fait un direct sur elle. C'est Rêve qui a fait un direct sur elle et les gens qui ont commandé à manger chez elle ont intervenu. Même pas Lolo. Lolo n'était pas dedans. Vous me comprenez? Oui. Lolo n'était pas dedans. Mais je ne sais pas pourquoi elle s'en prend à Lolo. Elle peut s'en prendre à Rêve. On dirait qu'elle fait du civisme selon moi. Non, elle parce fait du Lolo, civisme, tu sais. Oui, c'est Lolo ça. Ne lui a rien fait. Même si le problème de Croti-Crota est sorti, Lolo n'a rien dit, mais... Est-ce que tu sais une bosse si Lolo a parlé à la reine mère? Et même les abonnés, les faux profils lui ont dit que Lolo a parlé à la reine mère. Même Nadège, il ne va pas parler à la reine mère que Lolo a dit de supprimer. Que si c'est elle aussi, ça va gâcher son commerce. Mais elle ne peut pas agir comme ça. Parce qu'elle a été avec Compresseur en temps. Elle a insulté gravement Compresseur ici. Elles sont devenues des amies. Elle a insulté Flo ici, elles sont redevenues des amies. Lolo lui a tué qui? Moi, je ne comprends pas. Yeah. Non, franchement. C'est exagéré. Comprenez, on est des femmes, comprenez-nous. Mais c'est pas un spectacle de la coco. Non, c'est la vérité. Sandra, tu es très véridique. C'est ta copine. Mais tu dis la vérité. C'est pas que faut pas vous laisser comme ça, mais tu es dans la vérité. Même il ne faut même pas supporter Lolo, mais tu dis la vérité, franchement. On ne peut pas mentir à tout le temps. On grandit. Thomas. Rose fait la coupe. Mais la Rose, si elle finit le boulot, Sandra, matin, midi, soir, elle est sur Lolo. Lolo lui a tué quelqu'un.
Est-ce que c'est Lolo qui a gâché son commerce ou bien quoi? Maintenant, j'ai comment vous voir commencer avec elle. Hein? Est-ce qu'elle va avec des commerces qu'elle pourra encore avoir des clients? C'est vrai. Parce que des comme ne laisse pas. Tu fais ça pour contenter Pépétu, pour contenter Flore. Mais sache que là, les amitiés, là, c'est gâté. Demain, ça va encore se gâter. Tu vois, avant, tu étais ce compresseur. C'est ça, moi, je ne comprends pas. Maintenant, tu reviens ce compresseur, tu pourras inciter le lot. Mais il faut que tu saches que tu es encouragé pour ça. Pour pas te ridiculiser. La vie est la peau de lune. Tu sais que jusqu'à présent, Lolo ne l'a même pas encore bloqué. Mais ça, c'est même... Elle réagit. Mais quand elle m'étonne même maintenant, quand je la vois faire les choses comme une petite fille de 15 ans, je me dis, mais la femme, si elle a les enfants, elle est normale. Tu es normale. Tout ce qu'elle fait, tout ce qu'on fait ici, là, ça se fait ici. Attends, tu vas voir. Elle n'a qu'à savoir qu'elle a une fille, comme enfant. Si c'est vrai, si Lolo l'a offensé, là, elle ne va pas payer. Mais si Lolo ne lui a rien fait, elle fait tout ça. Si elle ne fait pas ça, il va payer. C'est quoi même? Hein? C'est quoi le problème? Lolo lui a fait quoi? Lolo ne lui a rien fait. Rien. Elle est maintenant seulement derrière Lolo. Comment tu peux offenser quelqu'un? Elle ne s'attaque pas à la reine, mais bien. Elle ne s'attaque pas. Va doucement, on sait que tu as ton rêve. Va doucement, c'est ça. On n'interdit pas de faire des amis, de se faire des amis. Va avec ta soeur, tranquillement. Ne dérange pas les gens. Mais si elle se lève le matin, midi, soir, elle insulte Lolo. Ah, franchement, non, la rose, franchement, ce que tu fais là, il faut te revoir. Parce que tu as une fille à la maison. Tu as une fille à la maison que tu es contente. Elle est même la honte. Quand on voit son âme, on voit comment elle est. Parce que tout ce que tu fais ici-bas, Sandra Rose aussi, des fois Sandra Rose coche un Lolo, non. Elle dit la vérité, Sandra. Elle est derrière personne. Sandra La Rose a fait un direct tout à l'heure. Elle dit que Sandra est derrière Lolo. Non! Sandra n'est pas derrière Lolo. Si elle veut coche Lolo, elle va coche Lolo. Mais Sandra est dans la vérité partout. Parce qu'on a des enfants, hein. Tout se fait ici-bas. Si les blogueuses ont décidé de changer, c'est parce qu'elles ont vu quelque chose. Elle fait ça pour contenter Flore, pour contenter Pépétu, mais tu sais, tu as passé des années, si Flore veut l'insulter, ça le... Lolo même se ressaisit. Hein. Mais si Flore veut insulter la rose, elle ne va même pas prendre 5 minutes pour l'insulter. Je vous jure. Elle ne va même pas dégager pour l'insulter. On se respecte. Franchement. Florence, tu ne dois pas faire comme une petite fille de 15 ans. Même ta fille qui a 15 ans là se respecte plus que toi. Là, en ce moment, tu fais quoi? Tu es derrière la petite fille là. Tu es tout le temps, tu fais un live, tu insultes la lionne. Quand la lionne va t'insulter aujourd'hui, quand c'est toi qui as un gros corps, c'est toi qui es âgé, c'est toi qui as les enfants. Il faut quand même respecter. Vous dites Lola insulte tout le monde. Lola a insulté la rose quand? Quand? Elle n'a pas indexé la rose. Lolo n'a pas indexé la rose. Elle fait ça pour contacter. Jamais indexé la rose. Elle fait ça, l'autre sort. Elle dit que oui, tu es passé. On sait que pour contenter Pépétu, il faut insulter Lolo. Donc elle fait ça peut-être pour qu'on dise que mais tu n'es pas une gamine. Lolo n'a jamais insulté la rose. Mais pourquoi la rose fait ça? On a des enfants, hein? Méfions-nous dans la vie. Parce que tout se fait ici-bas. Lolo n'a jamais insulté la rose. Même si elle se chamaille avec Pépétu ou bien Flore de Lis, elle n'a jamais insulté la rose. Hein? Lolo n'a même pas besoin de venir défendre qui que ce soit sur la toile. Elle n'est pas là pour ça. Ma soeur, j'ai vu la dernière fois. Tu as vu comment l'affaire là tellement. Rose s'est tellement fâchée. Elle est notre dernière fois. Elle a mis la vidéo. Sandra, elle a dit qu'elle t'a déjà bloqué. Hein? Faut même pas essayer de l'appeler. Elle a dit qu'elle m'a bloqué. Oui, elle t'a bloqué. Elle a fait un direct tout à l'heure. Qu'elle t'a bloqué. Les gens lui ont rapporté que tu l'as insulté, que tu as des voices. La rose. On ne dit même pas de ne pas supporter Flore, de ne pas supporter compresseur. Mais il faut être véridique. Dites la vérité.
donner la parole à notre soeur qui est là. Ou c'est notre frère, ou c'est notre soeur. Sandra. Oui. Bonsoir, ma soeur chérie. Bonsoir. Mais je vais te dire, avant de parler du sujet que tu as mis sur la table, je vais te dire pourquoi je ne suis pas contente de toi, pourquoi j'ai écrit le texte que tu as lu là. Je vous ai suivi dans un direct d'une de nos sœurs où j'ai voulu intervenir. Tu m'as tellement mal parlé, je me suis demandé, mais est-ce que ma sœur si me connaît? Tu m'as demandé qu'est-ce que je fais dans ce live tout simplement à cause de ma tribu. J'étais tellement offusquée que, sans te mentir, je suis descendue. Je ne sais pas si tu peux te rappeler, mais c'est passé. Donc, c'est pour ça que c'était dans quel direct? C'était dans le direct de Perle de Luce. Tu m'as demandé ce que je fais dans ce direct. Je ne devrais pas être là-bas. C'est passé. Moi, j'étais connue chez La Rose. Parce que là-bas, je te voyais, là-bas, tu avais un autre personnage que j'aimais beaucoup. Mais de l'autre côté, j'ai été surprise de me voir pourchassée par toi, ma sœur. Bon, anyway, c'est passé. Tu sais, vous êtes dans vos guéguerres de la toile. Nous, on est là seulement, on vous observe. Tu vois, de temps en temps, on vient aussi, on va intervenir, donner notre avis, mais c'est pas que nous sommes trop. Bref. Par rapport à ton sujet d'aujourd'hui, tu as fait un live ce matin où j'étais suivie. Très bien. Tu as bien parlé à ta sœur que ça te reste Facebook et tu restes amie avec ta sœur. J'ai beaucoup apprécié ça. Et j'ai encore fait un commentaire même que tu as lu. Nous tous, nous savons que notre sœur est de l'autre côté là par rapport à des vues. Elle veut se faire de l'argent. Moi-même, j'ai dit à La Rose. Nous tous, nous savons que La Rose a été toujours propre sur la toile. Regardez maintenant ce que notre sœur est devenue. Elle s'est mélangée maintenant avec la saleté et tout et tout. Tu n'as pas besoin de mettre quelqu'un en bas de ta tête pour te faire voir. Déjà que nous savons que La Rose s'est fabriquée elle-même. Personne n'a fabriqué La Rose, mes sœurs. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Cette femme s'est fabriquée elle-même. Elle n'a pas eu besoin de flore, de compresseur, tout le long pour se fabriquer. C'est vrai. Hein, mes sœurs? Et c'est pour ça que je l'aimais même beaucoup. Hein. Exactement, mes sœurs. Je la respectais beaucoup à cause de ça. Exactement, j'ai dit à La Rose que regarde, avant que tu ne monétises ta part, aucune de tes stars là ne t'ont aidé, n'est venue en aide. Ce vendu que j'ai fabriqué X, j'ai fabriqué Y. Mais elles ne pourront jamais dire ça de toi. Arrête la saleté et continue dans ton truc. Les gens vont te soutenir. Même si les gens ne t'envoient pas les étoiles, on peut t'envoyer même les PayPal. Même comme moi, je ne paie pas les étoiles, I don't know. Pour ça, j'ai essayé, mais une fois, ça n'a pas donné. Il y a certaines personnes que j'aime et que j'envoie plutôt le PayPal ou l'argent directement. Ça, je vous le dis. Donc, c'était mon but. Et tu sais, ma soeur, lorsque tu envoies même l'argent comme ça, Rose ne payera pas d'impôts. Par contre, quand tu envoies les étoiles, si tu envoies les étoiles pour 1 euro, Rose va recevoir 50 centimes, Facebook va prendre 50 centimes et elle risque de payer des impôts avec cet argent. Alors quand tu lui fais PayPal, c'est barbare, elle ne déclare pas ça, elle ne paye pas les impôts. Exactement. Donc quand elle maintenant s'est mise dans cette graine gratuite où je lui ai dit, La Rose, personne ne t'a fabriqué. Tu as pu monétiser ta page seule. Les stars, là, il faut jouer le game. Mais qu'on ne t'utilise pas pour faire le game. Parce que c'est ce qui est en train de se passer, Sandra. Voilà. On l'utilise pour insulter le lot. On est venu l'utiliser, la tire derrière. On fait comme si on lui donnait les conseils. Exactement. On fait comme si on lui donne les conseils. Alors que tu ne veux pas rien faire avec toi. On ne l'aime pas. On va prendre ses vidéos, placer là pour se faire de l'argent. Regardez Flore, il y a des gens qui utilisent leurs vidéos pour se faire de l'argent, mais ils ne mettent pas le link. C'est la sagesse. Il faut être intelligent, La Rose. Sors dans les guéguerres. Reste électron libre. Je lui ai dit ça. Si Flore fait quelque chose qui ne va pas, tu viens, tu donnes ton avis. Bon, Poisson, fais-tu donnes ton avis. Lolo, fais-tu donnes ton avis. N'importe qui, tu vas voir.
C'est vrai. Tu vas prospérer. Elle a, excusez-moi. Oui. Elle a, en ce moment, elle est devenue ridicule. Ma soeur, la dernière fois, elle a donné les lives de tout le monde. La bave coulée, on a pris sur la photo, on a posé sur Facebook. On est d'accord, ma soeur, tu es en train de parler là. J'aimerais qu'elle décrypte les lives de tout le monde. De la de compresseur, de Lolo. Oui, c'est ça. C'est ça, il est trop libre. Regarde un peu la lionne de Douala. Moi, je tire mon chapeau à cette petite fille-là. Moi aussi. Hein, Sandra? Comment elle est devenue électron libre? Elle tire sur tout le monde. Voilà. C'est ce que j'aurais voulu que la rose reste comme ça. Qu'elle ne passe pas à gauche, qu'elle ne passe pas à droite. Exactement, c'est comme c'est ton ami personnel là. Demande, et tu as vu comment la rose fait ses lives maintenant? Quand elle, comment, pardon, pas la rose, la rose fait ses lives, il y a au moins plus de 180 vues qui la regardent et qui partagent. Elle n'est pas avec l'autre, elle fait ses choses. Elle est trop libre. C'est vrai, la lionne dit la vérité. Maintenant, elle a dit la vérité à Lolo aussi, la femme. La lionne est devenue populaire, Sandra. La lionne est devenue populaire, elle n'a pas besoin de ces salles-là. La lionne va même devenir la Noba Uno sur la toile des blogueuses. Il n'y a pas son Dieu. Je vous dis qu'elle est en train de venir. Laissez les histoires que vous dites que c'est de l'Italie là. That's nonsense. That's BS. That's bullshit. Sandra, si tu me permets, dans un live là, la rose était dans un live et celle de l'Italie et compresseur t'ont raccroché au nez. Oui. Si la rose t'aimait vraiment, elle leur dit que de ne pas faire ça. Toi, tu supportes Lolo maintenant, elle t'engueule pour ça. Mais pourquoi? Pour qui se prend-on? Il faut que la rose voie Sandra. Alors, si c'est la rose qui me lève. C'est la rose de l'équipe de la forêt. On était deux. Nous étions deux, la rose et moi. Elle m'a abandonné dans la forêt. Je n'ai pas compris pourquoi ma soeur m'a abandonné. Elle t'a dit quelque chose. Elle te dit de ne pas supporter Lolo, de ne pas faire ça. Tu sais quoi, elle t'a dit quelque chose. Elle fait pire que Lolo. Celle de l'Italie travaille pour quoi? Elle travaille pour les gens. C'est quand on lui dit ce qu'elle doit dire. Elle ne sait pas. On lui dit qu'aujourd'hui, tu parles de comme ça. Voilà, ça parle de l'eau. Mais ça me fait mal pour la rose, franchement. Mais ça me fait mal pour la rose. Tu sais que la rose, c'est ma soeur. Moi-même, ça me fait mal. Je n'ai pas compris pourquoi ma soeur m'a abandonné. Quand tu lui parlais, quoi que... La rose, la rose, elle a dit comme une gamine de 12 ans. Dans la vie, il n'y a pas que... Les étoiles, c'est quoi? Les étoiles, c'est rien. C'est dans l'amour à cause des étoiles. Rose, en ce moment, si tu es ridicule. Si tu travailles, les étoiles, c'est rien. Si tu travailles déjà, les étoiles, c'est rien. En plus, elle ne vit même pas des étoiles. Ce qui est sûr, c'est que la rose ne vit pas des étoiles. La rose ne vit pas de son commerce. C'est ça le problème. Elle travaille. Elle ne vit pas des étoiles, elle ne vit pas de son commerce. La rose vit de son salaire et le salaire de son mari. Non, mais c'est qu'elle montre là, c'est pas ce qu'on voit en ce moment. En ce moment, personne ne la comprend. Elle est devenue un genre. Moi, je peux te garantir la fille à la peau de lune. Je peux te garantir que la rose ne vit pas des étoiles. Je te dis que c'est qu'elle montre là, ce n'est pas ce que je vois. Elle vit pas de ça. Ça lui donne combien? C'est rien, ça. Elle vit de son boulot et du boulot de son mari. Ah, moi, c'est qu'elle me voit là. C'est comme si Flo est venu devenir son dieu. Hein. Mais merde. Tu la regardes, je ne dis pas qu'on doit pas aimer. Moi, je savais que ma rose et moi, on ne partait pas. Elle ne partait pas. Quand tu es là, maintenant, tu es comme tout en bas, tu roules dans la boîte et pas la rose. La rose n'est même pas exemplaire. Elle n'est même pas exemplaire. Parce que ce qu'elle a avec Lolo maintenant, elle a eu à dire à faire ça avec compresseur ici. Elle a eu à dire à faire ça avec compresseur. Elle voit compresseur comme son dieu. Oui. Oui, Amuto. Oui. Oui, maman. Oui. Voilà ce qui arrive à Nancy, va arriver à notre rose. Elle était ce qui arrive à Nancy. Nancy voit l'injustice que Flo a entre compresseurs. Elle vient poser sur la toile, maintenant on tire sur elle. Pourtant, elle a raison. Pourtant, elle a raison parce qu'elle voit comment le compresseur donne trop de plus d'amour à sa copine qu'elle ne reçoit.
On était là. Et maintenant, notre problème, c'est bien de soulever le problème de notre sœur Nancy. Le problème de notre sœur Nancy, le problème, quand vous voyez Nancy se fâcher là, Nancy ne se fâche même pas de Ndolo Moulema. Nancy se fâche de compresseur. Pourquoi? Parce que compresseur. Parce que compresseur fabriqué, celle de l'Italie. Voilà, elle a plus donné de l'amour à celle de l'Italie par rapport à Nancy qu'elle a depuis des années. C'est vrai. C'est ça. Écoutez-moi. Le jour où la fille d'Italie là va classer compresseur, elle ne va jamais classer ma peau. Je connais les Bami. Quand elle va sortir sur compresseur, si vous allez dire que vous n'allez pas connaître. Que toi-même tu es Bami Leke pour que les gens puissent comprendre. Le jour elle va laver compresseur, si elle ne va jamais laver fleur de l'île. Moi, elle vous dit, je connais mes soeurs Bami. Compresseur a mal fait. Compresseur a soulevé Nancy. Nancy meurt pour elle depuis des années. Quelqu'un vient comme ça, je ne sais pas, et c'est Sandra, travailler là. C'est que tu compresseur, hein. Compresseur est devenu Tinda parce qu'elle ne travaille pas. Si compresseur travaillait, c'est vrai. Elle ne devrait jamais être Tinda. La Tinda n'existe plus, excusez-moi. Ça n'existe pas. Compresseur voulait choquer Lolo. C'est pour ça qu'elle a fabriqué la fille d'Italie là. Elle voulait choquer Lolo. Ah, Nancy était là depuis des années. Elle est avec la fille d'Italie parce que la fille d'Italie lui donne les oranges. Ce n'est pas ça. Elle est travaillée avant de venir faire Facebook. Comme ça, vous allez garder votre dignité. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu as ton boulot, personne ne peut te faire un chantage. Moi, mais je te dis que Nancy, c'est que Nancy a fait pour compresseur. Moi, je connais, j'ai le numéro de Nancy parce que c'est Nancy. Quand tu appelles Nancy pour acheter les produits, c'est Nancy qui m'a envoyé sur compresseur acheter les produits. Nancy mettait sa caméra, elle avait deux personnes, elle parlait de compresseur. Elle était seule à supporter compresseur. Seule, on l'insultait, elle supporte des années. Parce que tu veux insulter Lolo, tu commences à. Tu vas voir quand celle d'Italie elle va se retourner contre Lolo, mais elle ne va jamais se retourner contre Flo. Je connais mes soeurs Bami, j'ai confiance. Fais attention qu'elle devient ça. Je lui ai dit, elle n'a pas besoin d'elle pour se faire son argent. Il y a beaucoup de sujets qu'elle peut faire et elle aura beaucoup de plus. Moi, je vous dis ça. Mais elle, là, je ne peux pas vous mentir. Moi, je suis plus la rose. Parce que tout est. Elle allume la caméra, Lolo. C'est du réchauffé en plus des trucs. Pourquoi la rose ne répond pas à l'étoile tribune depuis? L'étoile tribune a parlé aussi sur la rose. Donc. Pourquoi elle n'a jamais répondu? Est-ce que la Lolo elle répond? Pourquoi elle répond à Lolo? Qui est l'étoile tribune? Qui la connaît? L'étoile tribune ne vaut pas Lolo. Regarde comment Flore est sortie hier. Elle a eu des problèmes partout. Elle n'a qu'à se maîtriser, la rose. Elle n'a qu'à se maîtriser. Elle est même comme une gamine de 15 ans. Comme tu as dit que tu parles avec elle inbox, quand tu vas parler avec elle, il faut lui dire ça. Parce que moi, il faut qu'elle se respecte un peu. C'est trop, c'est ridicule. Franchement, la dernière fois, la fille, là, elle dormait dedans. Elle bavait. C'est quoi ça? Elle était avec le couple médecin avant. Maintenant, elle n'est plus avec le couple médecin. La rose fait papato partout. Respectez-toi un peu. C'est comme ça on dit ça. Elle parle partout. Elle parle de ci. Elle va voir celui-ci. Elle va dire autre chose.
Elle va voir ce lit-là, elle va dire autre chose. C'est ça la rose. Bientôt, fait. Ça va encore se gâter. Elle va encore revenir encore chez Lolo. Hé, hey, maman, pardon, tu n'as pas l'âge. Non, tu n'as pas l'âge. Respecte ton âge. Lolo, j'ai peur maintenant. Lolo a peur de tout le monde maintenant. En tout cas, la petite de Douala est en train de venir en puissance. Regardez comment elle fait transpirer les stars là. Toute la semaine passée, c'était son nom. Ça veut dire quoi? Elle les fait peur. Cette petite. Le problème de Flo, oui. Quand Flo diffuse les anciens lives de Lolo, c'est parce que Coco Kouato a posté sa nouvelle gars. Elle, oui. Oui, Flo est déréglée à cause de ça. C'est à cause de ça, hein. C'est pas que Flo a un problème avec Lolo, hein. C'est parce qu'elle a vu Coco Kouato poster sa nouvelle go là. C'est tout. Elle est paplée. Elle va marcher alors qu'elle était amoureuse jusqu'à. Elle n'est pas appelée. Elle se dit pourquoi Lolo ne peut pas intervenir pour elle. C'est tout. Flo n'a rien pas. Elle n'a pas de problème avec Lolo. C'est parce que c'est à cause de ce que Coco Kouato a posté. C'est tout. Et la femme de Coco Kouato, là, elle est belle, hein. Elle est très belle. Elle est mannequin au Canada. Elle est mannequin. Maman, donc Coco Kouato a laissé poids lourd pour aller chercher mannequin. Pourquoi tu actuellement elle est en Turquie, Rose, Sandra, elle est en Turquie. Elle était la semaine passée. Oui, ils ont fait 2 semaines en Grèce la fois passée. Maintenant, elles sont déjà en Turquie actuellement. Maman. En Turquie. Maman. La fille là, la jeune. Elle a l'argent, elle travaille. La fille, elle est mannequin, elle travaille. Coco Kouato ne fait plus le waka, hein. Elle donne au moins 2000 euros par Coco Kouato par mois, hein. Maman. Qui me donne ça? 2000 euros. C'est ce que les lélés là. Mais oui, pourquoi elle dit ça? Qu'elle ne fait plus ça. Elle lui donne la jeunesse. Elle est enceinte même, non? Elle est même enceinte. Oui. Donc, elle est déjà enceinte, Coco. Oui. Elle veut voyager hier pour aller en Turquie. Maman, oh, c'est bien. Franchement, l'amour est bien. Je te alors, jure. Alors, elle était avec Flo. Flo venait mentir qu'elle ne l'assume pas. Oh, que tu l'as, elle l'adorait. Tu crois qu'elle a perdu Coco Kouato, elle a mal. La fille, Nounou l'a dit à Coco de ne plus faire tout ce qu'elle fait avant. Elle va lui donner de l'argent par mois. Alors, elle lui donne de l'argent par mois. 2000 euros. Mais oui. 2000 euros, c'est quoi? Tu connais pas les études que les gens là s'aiment. Leur amour est fort. Hein. J'ai 2000 euros par mois. Comment quand tu peux me dire que 2000 euros, c'est quoi? Que j'ai d'abord? Non, je dis que... J'ai dit que les gens là s'aiment. Quand il t'aime, il peut te donner tout, plus que ça, tout ce qu'il a, il te donne. Donc, il faut que je laisse du camin, je devienne lélé. Il faut que tu laisses du camin. Tu trouves aussi dit à Coco de te chercher quelqu'un, non? Oui, mais cherchez-moi une fille. Vous êtes où là? Moi, du camin, toi et moi, c'est fini, papa. Tu n'entends pas qu'on donne 2000 euros à Coco Kouetou. Moi, tu veux l'argent? Voilà, même on te dit de chercher là sur Facebook, tu ne veux pas, tu veux seulement aller. Tu connais léché. Ça s'apprend, non? Maman? Mais tu lèches comme si tu léchais le plat quand tu as fini de manger. Laisse-la. Je ne sais pas que Coco disait que Flo, pour que Flo juste est trop dur. Que Flo... Il faut faire comment? Il faut que quand tu gros, que tu mens même ses seins et sans rien. Le chirurgien a gâté. Maman, elle nous a sucré ça, maman. Le live de ça, c'était bon à moi. Oh. C'est ça, ça a fait notre fête. Donc, Coco Kouato n'est plus en France. Coco Kouato est enfant maintenant, mais elle est bien accompagnée. La rose, mais elle va même ses parents, c'est même ses maris. Quoi? Pardon, Coco, invite-moi, ma. Envoie-moi le billet. Je vais venir. C'est comme Ngoé a perdu, mais Amot, elle a perdu aussi Coco. Les gens qui faisaient sa force, elle peut devenir folle. C'est ce qu'elle a en ce moment-là. Flo, elle est pas plaie à cause de tout ce que et Coco puis, fait là. Et quand Lolo dit encore que voilà, on sera chez Amot, elle peut mourir. Elle peut mourir. Et tu sais que c'est pourquoi Flo ne fait que mettre les vidéos pour activer un mode de oui.
Oui. Alors qu'elle oublie que Amos, quand tu as des chambres, Amos a répondu de sa page. Amos a répondu de sa page déjà. Amos a dit quoi? Il a dit qu'il n'a pas le temps des blabla de faire des réseaux sociaux. C'est vrai. Il a le temps de sa dialogue au Cameroun. Allez lui ça dans sa page. Bravo. Qui n'a pas le temps des blabla des réseaux sociaux. Maman. C'est du réchauffé. C'est du réchauffé. Tu sais qu'elle Chloé est en train de péter d'Italie le nom de l'homme. C'est normal. C'est de bonne guerre. Chloé, elle fait l'argent. Elle a posté. Elle a fait 200 plus Russie, de 250 dollars avec le nom de Lolo hier. Et oui, vu qu'elle a eu 200 plus, elle se dit qu'elle va continuer. Mais les gens, ça va fatiguer à la longue. Après, ça sera fatigant. Les gens vont dire bon, c'est la même chose. Hein? C'est la même chose. Hein? C'est ça. Mais Sandra, dis à notre de revenir sur elle. Elle dit qu'elle va sortir les lives de Lolo. Mais elle ne sort pas d'autres lives que le live de Amos et Lolo. Pourquoi elle ne sort pas d'autres lives? C'est pour offenser ses ex-parents-là. Or, ses ex-parents ne veulent plus d'elle. Pas du tout. Maman, vous avez vu Jaguar. Vous avez vu ma belle sœur Jaguar, comment la fille là devient de une maman. Eh, hey, ma belle sœur, pardon. Ne deviens pas trop belle maman comme ça, tu risques de quitter mon frère. C'est toi ton problème. Si tu ne laisses pas, on va devoir faire comment, maman? Diminue un peu. Diminue. Maman, Jaguar devient belle les jours en jour. Ça, c'est pas ton bon boulet, c'est mal. Ça, c'est Jaguar, pas son mal. Malgré les injures, Jaguar Amos reste calme avec son mari. Ah là, elles ont gagné leur combat. Elles ont vraiment gagné. Les gens se masturbent avec leur nom matin, midi, soir. Elles ne les gèrent même pas. Regardez. C'est ça. Flore a oublié quelque chose. Amos a dit que plus jamais, que là où il est, que Flore. Si Flo passe seulement aux alentours, lui, il n'est pas là. Il a raison. Tu as vu ce qu'elle lui a fait, elle leur a fait. Elle m'a dit que c'est l'argent. C'est quand on prend l'argent à quelqu'un, elle est la seule à qui on doit. Elle est venue avec le vous nom le de sa femme. Depuis que Flo a quitté la maison, tu n'as pas oublié la peine où on a décommandé Flo à cause du coup pour Amos. C'était Jembe Nzenya. C'était la note de la fête de nous, non? Le président m'a dit que où elle est là où je suis là, où elle n'est pas là. On l'a chassé là-bas. On a dit que ouais. Dégage. On l'a décommandé, oui. Oui, Sandra. Oui, on l'a décommandé. Amotadio promoteur. Soit c'est moi, soit c'est Flo. Vous choisissez. Adama, comme ça. Je vous dis que les bamileke que vous voyez là, on est en train d'embrouiller compresseur. Aucun bami ne va jamais inviter compresseur que vient faire. Tout ce qu'elle dit que compresseur, après ma patience, c'est un vous les bami, vous êtes comme ça, vous n'allez jamais. Compresseur, tu es un chinda, tu es abeille. Mais personne ne va jamais t'inviter pour représenter les bami. Même toi, même n'aime pas compresseur. Elle fait semblant. Non, avec compresseur. Flo fait semblant. Vous allez voir. Non, elle est dans la voie, là, on ne parle que d'elle et c'est tout. Compresseur là dans la poêle, dit Marco, après on va partir. Hein. C'est même sur la toile là que quand elle parlait, même quand elle va aller au Cameroun, Compresseur dit, tu vas aller au Cameroun, tout le monde sait qu'elle est pour au Cameroun. Compresseur vient découvrir avec nous. Elle dit que c'est sa cour jusqu'à demain. Maman, les blancs sont bêtes, ils savaient pas Compresseur était. L'école est bien, maman. L'école est bien. Maman, ce n'est pas seulement l'école, même la sagesse du village. Maman, on prend une personne qui a été cassée par le village. L'école pour être sage, comme dit Sandra. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Elle-même ne voit pas. Village. Elle-même ne voit pas que ça ne donne pas. L'autre l'utilise, mais l'autre a absorbé son classe. Moi, je vais vous demander ici. Dites à la rose africaine d'être neutre. Je n'ai pas décortiqué les directs de ces trois femmes. Mais elle décortique. Non, la rose, elle ne peut pas être neutre parce que Compresseur partage ses plats. Flo n'a jamais partagé ses plats. Hein. What? Flo n'a jamais partagé les plats de la rose. Hein. Flo n'a jamais partagé. C'est Compresseur qui partage ça pour le moment. La petite d'Italie là va insulter Compresseur, elle va jamais insulter Mafo, l'homme notre Mafo, elle va insulter Compresseur. Le jour là, je vais boire le champagne sur mon live.
Parce que j'ai déjà trop parlé de l'appel. On a même introduisé Flore Kamafou. Est-ce qu'on introduit n'importe qui comme ça? Tu connais même les Bamis là. C'est son nom qu'elle s'est donné. Nous, nous sommes les Bamis. Elle n'est pas Mafou. Une Mafou se prostitue. Une Mafou fait des lives et dit de gros mots. Écoutez, Sandra. Oui. Sandra, je suis Bamileke. Je vais te dire comment Mafou. C'est que Mafou, comment on acquiert ce titre-là? Oui. Déjà, c'est un titre héréditaire. Oui. Donc, tu ne peux pas, à moins que tu vas acheter, mais quand tu achètes même, c'est à tes risques et périls parce qu'au fur des années, ça peut, tu peux mourir de tradition. Donc, non, c'est elle, pas c'est ma soeur, regarde. Hein. Ma soeur, c'est que tant, y a ton comportement peut refuser que tu sois ma faux aussi. Non, mamie, attends, laisse-moi d'abord finir parce que Sandra ne connaît pas. Laisse-moi, uh-huh. Elle n'est pas, elle est du Betty, nous, on est de l'Ouest. On va lui dire comment ma faux. On a qu'un ma faux. Ma faux, c'est une reine. Mafo, c'est une reine. Donc, sa maman n'est pas Mafo. Si sa grand-mère était une reine, Sandra, sa grand-mère pouvait dire que bon, si je n'ai jamais, je ne suis pas là, c'est Flore qui va s'asseoir sur mon règne. Mais ça n'a jamais été le cas. Est-ce qu'elle vous a montré ces photos d'intronisation, whatever you call it? Vraiment, non, le français, non, la maman, ça ne me dit pas. Donc, voilà. Donc, Mafo, c'est son nom qu'elle a donné, mais. Vrai, Mafou, elle ne l'est pas. Donc arrêtez ça. Nous, les Bamileke, nous savons qu'elle n'est pas Mafou. Elle n'est pas Mafou. Donc c'est un nom qu'elle porte comme ça. Comme ça, c'est quand tu entends, elle devait avoir un nom à côté. Quand tu entends les Mabangou, c'est les Mabangou, hein. Ça veut dire qu'elle m'a savé la peau, hein. C'est pas n'importe qui. Demande-moi Mafou, hein. D'accord. Quand on t'intronise, Sandra, mais tu vas voir les trucs qu'on les met, on les amène dans des chambres secrètes. Mais on a vu Koukoukou Emilia. Oui. Elle était assise dans une chaise de reine. La chaise de trois pieds, elle n'a pas. Tant, elle n'est pas ma faute. Et vous savez là où Koukou Emilia a pris ça? Elle a pris ça à sa grand-mère. Oui. Donc, je ne sais pas de quel côté, du côté de son père, mais... De son père. Voilà, donc elle était tellement bien avec sa grand-mère lui a passé ça. Yeah. Et maintenant, la fille de Koko Emilia, et ça ne peut qu'aller de mère, tu vois, elle ne pourra que, il n'y aura que la fille de Koko Emilia pour hériter. Donc, elle ne peut pas. Voilà, c'est comme ça. Donc, laissez-nous Mafou, c'est les noms qu'on se donne là sur Facebook. Vous c'est pas une Mafou, ça, c'est pas une Mafou. Ce n'est pas une Mafou. D'accord, c'est le bruit qu'elle fait. Elle peut savoir. D'accord. En fait, c'est un faux titre qu'elle a pris comme ça. Elle s'est donné le nom là, elle peut donner le nom là comme elle veut. Mais elle n'est pas Mafou, elle ne peut pas. Quand les Mafou dansent, elle ne peut pas entrer dedans. Elle ne peut même pas regarder. Elle ne peut même pas passer devant les Mafou pour s'asseoir. Est-ce qu'on passe devant ces gens-là n'importe comment? Toi-même, tu sais, quand ils sont assises, il y a le respect. Merde! Elles ont leur lit. Pardon. Mais si elle est même Mafou là, elle ne doit même pas faire des directs sur Facebook. Si elle est vraiment. Et comme tu dis là, quand une Mafou sort, elle sort, hein. Elle sort pas comme tous les jours vulgaire, elle prend les pénis, non. Quand une Mafou sort, c'est pour dire des choses graves. Hein. Elle ne sort pas pour apporter les choses. Même pas des gouttes en main. Même si tu utilises des gouttes, tu ne peux pas venir nous montrer peut-être, ça en mode vision. Quelle est Mafou des gouttes, peut-être. Peut-être Mafou des gouttes. Non, mais elle s'est donné ce nom-là, c'est normal. Elle est une star de Facebook, c'est normal qu'elle s'est dit, non. En fait, c'est Mafou de Facebook. Je crois que c'est nous qui n'avions pas... C'est vous qui n'aviez pas compris, elle est Mafou de Facebook, c'est Sandra, normal. Sandra et Père de Lille disent la vérité. Franchement, je vous jure. Oui, c'est vrai. Elles disent la vérité. Père de Lille dit la vérité. C'est comme ça, elles ne veulent pas entendre. Oui, elles ne veulent pas elles la vérité. Motivons la rose. Si vous voulez laver quelqu'un, lavez la personne, mais dire la vérité, c'est tout. Motivons la rose. Ça doit avoir beaucoup plus à gagner en faisant dans du propre, en décortiquant comme la lionne. Moi, tu as vu, la lionne est devenue powerful. La lionne est devenue la Nova Uno en ce moment. Il n'y a pas son deux. Regarde, il n'y a pas son deux. Mafou, compression, Flo était obligée de passer dans tous les directs pour parler de la lionne. Mais ça veut dire qu'elle est dans elle a menacé, elle est du camé, ils sont réunis pour elle. Elle donne l'insomnie. Compression, la saleté d'Italie. Regarde une fille, dis donc. Moi, je supporte la lionne maintenant. Parce qu'elle moi, je suis moi, lionceau une fois. Nous, tous ça, on va supporter la lionne maintenant.
Nous, on est lionceau. Lionceau me m'a dit avant-hier qu'elle est lionceau. Moi, je me disais que la ronde a fait aussi comme ça, devenir électron libre, et nous tous, on allait se jeter derrière elle. Non, là, la rose n'a pas de personnalité. Hein. Il manque de personnalité. Elle a beaucoup, elle manque de personnalité. Franchement. Il manque beaucoup franchement, elle n'a pas du tout de personnalité. Il m'aide, comme ça, elle n'a pas tourné comme une girouette sur Facebook. Tu as eu la diable des problèmes avec Perpétu. Et maintenant, tu redeviens ami avec Perpétu. On ne refuse pas. Mais il faut te ressaisir. Si on a eu la diable des problèmes avec quelqu'un une fois dans la vie, on se ressaisit. Même si on se réconcilie, on se méfie. Oui. On ne connaît pas ça. On ne connaît pas ça. Ce n'est pas bien. Bientôt, il y aura encore les problèmes. Tu connais, tu ignores Facebook. Attends, ça va cuire encore. Non, qu'elle reste dans son truc. Moi, je suis prêt à la supporter par PayPal. Je n'ai pas de problème. Moi, je préfère voilà, supporter. On va te soutenir par PayPal, pas par les étoiles. Les étoiles, tu vas payer les impôts. Sandra, il y a des gens là qui vont me voir sur ton Facebook. Elles savent que je dis la vérité parce que je les ai envoyées PayPal. Donc, moi, je suis prête à supporter la rose par PayPal. Moi, je veux qu'elle sorte dans la salité, qu'elle soit électron libre. Tu sais qu'il y a une abeille là qui s'appelle Lily de la Tour. C'est elle qui ment, c'est elle qui flatte comme ça, c'est elle qui. Et elle, la femme là n'aime pas Lolo. Donc elle est là pour venir. Elle n'aime personne. Elle est partout. C'est une vieille mère. Même son visage, elle n'aime pas même le visage de Flo pour parler avec. La femme là, elle est là. Les vieilles mères sont à la maison de retraite. Elle n'a qu'à aller dormir à la maison de retraite. Elle se pavane partout. Cette dame là. Je dis, hein, c'est elle qui a encore menti Rose comme ça. Au lieu que Rose reste dans sa position, maman. Télétam, regardez les Dorcas, comment elles se respectent. Rose passe partout. Elle est là, elle dort même dessus, elle bave. On filme, on pose sur Facebook. C'est quoi ça, Rose? Oui, ça fait d'argent là, ma soeur. Elle est... Non, quel argent? Ce n'est pas ça que lui donne l'argent. Combien de personnes donnent les étoiles à la Rose? Hein? C'est pas ça. C'est quelqu'un qui bavage, qui marche comme quelqu'un qui a perdu les deux. Regardez la Rose. Vraiment, si la Rose a son mari à côté, vraiment, elle ne peut pas faire des directs jusqu'à 2h du matin. Jusqu'à dormir. Waouh, les gens filment. Si elle a vraiment son mari à côté, moi je ne peux pas être avec mon mari et laisser jusqu'à 2h du matin. Non, son mari est en mission. Pour le moment, mon beau-frère n'est pas là. Il est en mission. Ah. C'est pourquoi vous l'envoyez faire les directs. La Rose, Sandra, même s'il est en mission, la Rose doit partir au boulot le lendemain. Tu as vu la vidéo là? Elle doit partir au boulot le lendemain matin. Quand même. Même si elle dit que ça l'aide, ça t'aide à faire quoi? Je vais faire quoi? Dis-moi, écris, je vais lire. J'ai fait quoi? J'ai dit que le mari de la Rose n'est pas là, il est en mission. Est-ce que j'ai menti? C'est mon beau-frère. Quelle mission? Quelle mission? Il a une mission, laisse tomber. Toi, tu en sais quoi, Sandra? Laisse tomber, Sandra. Peut-être que le gars même est parti même de la maison. C'est pour ça que non, il n'est pas parti. L'autre, je dis la France, c'est dans mon direct, non. Arrêtez de s'habiller. Non, qu'elle revienne sinon, dans les bons sentiments et on va la supporter. Et je vous dis que hein, si elle devient comme la lionne, vous allez voir. Personne ne soupe la Rose. Dora, on lui donne pas parler à ta soeur. Va parler à ta... Je sais que toi, tu es décassée, Dora Coco. Donc, je vais te dire ici, là, que va parler à ta soeur, la Rose africaine, d'être électron libre. Dora Coco, tu es décassée, la décassée. Voilà, qu'elle puisse décortiquer les directs de Flore. Elle décortique pour compresseur et elle décortique pour Lolo. Moi, je suis d'accord. Oui, c'est ça. C'est ce que la lionne fait maintenant. Et que si elle veut même insulter une blogueuse, qu'elle fasse ça seule, une place qu'elle ne se mélange pas. Ah, voilà. C'est tout. C'est tout. Regarde, j'ai dit que la petite est sortie comme ça. Moi, non. Je suis en train de l'observer. Bientôt, elle va recevoir les dollars de ma part. Parce qu'elle est forte. Elle est très forte. Elle continue à tenir. Oui, non, oui. Non, la personne qui est en train de conseiller, la personne qui est en train de conseiller la lionne là, la personne a la tête sur les épaules. Je suis sûr que c'est Achille Dicolo. C'est vraiment la femme d'Achille, parce qu'elle connaît les clashs. Oui, elle est bien conseillée en ce moment. Franchement, son blog est bien. Oui, oui, elle est sortie, elle a regretté. Quand elle faisait les choses, qu'elle insultait le nom, je ne regardais jamais ces trucs. Mais quand elle est sortie là, elle a demandé pardon à tout ce monde qu'elle a insulté. J'ai dit, OK,
Il faut t'avouer à la moitié pardonner. À moitié pardonner, oui. Oui, tu reviens sur les bons sentiments. Et ça m'a plu parce que les autres là lui ont pardonné. Et de là, elle a dit, ok, maintenant, là, comme là, on m'a pardonné là, moi je deviens électron, je ne suis plus dans ça. Je ne suis plus dans ça. Et c'est pour ça que les gens là la combattent. C'est pour ça que les autres la combattent. Parce qu'on voulait qu'elle reste Tchinda. Elle a dit que moi, Tchinda, je ne suis pas venue pour devenir Tchinda. Je suis leader. Et elle est leader. Elle est leader. Elle est leader. En ce moment, elle est leader. C'est la leader. C'est le nombre 1 de Facebook. Allez regardez vous-même. Laissez ça. Elle est leader. Elle est leader. Personne n'insulte la rose. On lui donne des conseils. On aime la rose. Mais elle n'a qu'à faire attention. La rose manque beaucoup de personnalité. Elle manque la confiance en elle. Elle n'en a pas. Oui. Elle manque le développement personnel. Il faut qu'elle fasse ça. Faut pas chercher des amours sur Facebook. Tout le monde l'aime. Je te jure. La rose, c'est un conseil. Il faut pas faire le développement personnel. Tu n'as pas confiance avec en toi. Avec tout ce qu'elle fait là, elle-même, avec tout ce que la rose fait sur Lolo là, elle nous a montré elle-même que Lolo ne l'a pas bloqué. Donc, dis-toi que Lolo t'aime encore, mais elle n'a rien compris. Rose, non. Ne pas faire le développement personnel sur ta personne. Tu manques de confiance en toi. Je sais pas pourquoi. Et c'est ça qui fait la lion. J'avais dit à la lion, j'avais appelé la lion dans son live, je lui ai dit, tu sais quoi? N'écoute pas comment on t'insulte. Oui, tu vends au marché, non? Tu dépasses toutes ces blogueuses-là. Pourquoi? Parce que tu travailles et on voit ce que tu fais. Oui. Et c'est comme la lion. Oui. C'est comme la rose. J'ai dit à la rose que n'envie pas les blogueuses-là parce que tu les dépasses. Compression travail où? Gaïa, on ne voit pas. Flore travail où? On ne voit pas. Toi, au moins, si tu as un boulot. Donc, il faut être fier de toi, le self-esteem, comme on dit chez nous ici au state. C'est-à-dire, il faut te valoriser. Et encore, madame, sur Facebook, là, on ne peut pas montrer sa vie privée. Vous comprenez? Les gens disent Lolo ne travaille pas. Elle travaille, mais elle n'a pas besoin de venir montrer. C'est-à-dire que si Compressor gagnait même 1000 euros par mois, c'est qu'elle n'est pas à ce niveau de mendicité. Voilà, c'est ça qui détruit. Moi, je peux vous parler là. Avant, moi, je mets compresseur. J'ai eu à contribuer, mais à partir d'ici, quand elle était au Cameroun pour ses orphelins, moi, j'ai eu à contribuer. Moi aussi. J'ai son numéro, ça n'a pas changé. J'ai eu à contribuer. Mais je ne peux même plus. Même, elle fait quoi? Je ne peux même pas, maman. Elle fait quoi? Elle a dissu son truc. J'ai dit, oh là là. Non. Arrêtez. Donc elle a fait tout ça, elle a mis les gens derrière, on suivait déjà ces trucs, elle va dissoudre, se met derrière maintenant. On dit que ma elle doit loyer de 6 mois. Moi je ne comprends pas. Tu as construit au Cameroun et tu dois ici 6 mois de loyer. Qui doit 6 mois de loyer? Oui, non, elle doit 6 mois, elle doit les 6 mois de loyer. À qui? Si tu n'as pas d'argent. Moi j'ai ma maison au Bénin. Si je n'ai pas l'argent pour payer le loyer ici, mes locataires m'envoient de mon argent, je paye ici. C'est comme ça se fait. Elle a donné le programme de son voyage. Elle a des maisons au pays, mais tu dois de l'argent ici. Normalement, tes locataires devraient t'envoyer de l'argent pour payer ton loyer ici. Parce que c'est ici que tu vis d'abord. Tu vis ici d'abord. Et on construit sa vie d'où on est. Oui, on vit d'où on est, c'est vrai. Elle ment, elle n'a rien, Flo. Elle n'a rien. Elle ment. Rien. Facebook. Elle n'a rien. Tu as vraiment de l'argent. Moi, je vais te parler, ma soeur. Sors de la lumière là où tu es là-bas. Décortique tes vidéos comme la lionne. Ma soeur, moi-même, reste dans la lumière là-bas. Tu es un Tchinda. On veut pas te voir. Tu vas être un Tchinda. Elle peut même rester dans la lumière. Mais il faut être neutre. Elle est trop libre. On a pour la flatter maintenant. On partage. Bientôt, on va encore la clasher. Elle donne des éloges que la ténébrie ne lui donne pas des étoiles. La ténébrie ne la partage. La ténébrie ne partage pas ses directs. Elle est contente. Oh, d'ici 2 mois maintenant,
Les abeilles même ne viendront plus dans cette directe. Elle aura 30 vues, 2 vues, 3 vues. On peut se, elle était sur la TKC, elle part chez Lolo, maintenant elle va encore, elle insulte Compusso pendant 5 ans. 5 ans. Tu crois que elle insulte Lolo, pipi, écarteuse, tout ça. Oh, tu as une fille à la maison. Les blogueuses là sont déjà vaccinées. Elles ne craignent rien. Elles n'ont pas d'enfants. Elles s'insultent, ça ne fait rien. Mais toi, tu as d'enfants. Et tu dis tout ça, ça va se répercuter sur ta fille ou bien sur tes enfants. Si ça, ça ne se répercute pas sur toi. Ça ne se fait pas. Non, non, ça doit aller chez la rose, pas sur mes enfants. S'il vous plaît, pardon, parlez de la rose, pas mes enfants. Mais c'est elle-même. Oui, je ne suis pas tes enfants. Je dis tout se paie ici. Bah, on a qu'à faire attention dans la vie, c'est tout. Faut faire attention. C'est compris quand même. Hein, c'est un âge, on ne fait pas les choses des fous, on ne fait pas les choses des enfants. C'est ça. Elle n'a pas l'âge là. Elle n'a pas l'âge de faire des trucs comme ça. Il faut qu'elle se ressaisisse. Qu'elle fasse le développement. Elle n'a pas. Si les blogueuses même ont décidé de changer là, il y a un guide sous roche. Elle n'a qu'à comprendre. Patin, tu insultes telle. Tu vois, on te dit. Compression veut clasher Lolo. Elle le fait en rigolant. C'est comme de l'humour. Elle ne faisait pas comme si c'était avant. Mais la force que la rose africaine a pris maintenant sur Lolo là, ah, c'est grave. Tout ça, c'est pour Compression, pour être bien avec Compression. Hein. Tout ça, là, c'est pour ça. Hein. Ah, elle ne sait pas que Compression aussi se méfie d'elle. Hein. Elle ne sait pas. Hein. Voilà. Compression aussi fait semblant avec elle, hein. Mais elle ne comprend pas. Compression pendant longtemps. Tu crois que Compression va encore te faire confiance? C'est faux. C'est fini. Pendant 5 ans, tu étais sur Compression. 5 ans. Chaque jour, Compression. Chaque jour, Compression. Tu crois qu'elle va te faire confiance encore? Oh, on ne peut pas être comme ça à cet âge-là. Il faut être, avoir une personnalité. Quand même. Elle dit qu'elle a fabriqué Sandra. Mais Sandra est sortie pour dire la vérité, non? Voilà. Même si tu fabriques Sandra, elle ne doit pas aller à ta merci. Tu ne peux pas la commander, non. Elle doit dire la vérité. On ne dit pas à Sandra de supporter Lolo, mais c'est trop, c'est de l'acharnement. Il faut comprendre ça. Ce que vous faites sur Lolo en ce moment, c'est le faux. Lolo ne vous a rien fait. Fichez-lui la paix. C'est quand tu fais maintenant la paix. Comme je dis encore, Rose peut encore se rattraper et prendre la toile en main comme la lune est en train de faire. Les autres disent que c'est de l'Italie, c'est le 11. Elle ne peut pas être le 11. C'est de l'Italie, elle fait quoi? Matin, midi, soir, Lolo. C'est quoi ça? Et encore, pour être vrai, pour être Nanobaouno, la celle de l'Italie, là, qu'est-ce qu'elle porte? Elle ne porte rien de bon. Les habits de quoi rouge, la démarrer ce qu'elle porte, là? La lune a pris la toile. C'est ça qui est fatigué. Regardez la lune. La lune est belle naturellement. Elle est propre. Ça se voit. Hein? La lune est classe. La lune est belle. La lune est soignée. C'est ça qui est ça. Oui. Elle se présente bien. Elle fait bien son blog. Elle prend quand ma faute fait mal. Elle dit. Compression fait mal. Elle dit. Lolo fait mal. Elle dit. Elle part. Elle ne se promène même plus dans les lives. Jamais. Elle dit ce qu'elle a dit, elle part. Quand du camin, qui dit qu'elle a fabriqué là, quand du camin fait maintenant le lave, il n'a pas les vues comme la lionne maintenant. Allez, regardez. Parce que c'est la seule qui dit la vérité. Oui. Tout le monde a peur des Mafo. Non, les gens ont peur d'elle. Non, vraiment, Mafo. Notre Mafo. Moi, je vous invite ici, là, mes soeurs, en partant chez Perle de Luxe, qui est en train de finir avec Flore et Compressor. On ira là-bas alors. Oui, partons. Abonnez-vous à ma page.